Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc comme on avait commencé à en parler la semaine dernière, rapidement, un des sujets importants, surtout à votre âge, c'est le respect des parents. D'accord ? Parce que généralement, à votre âge, on commence à grandir, à avoir ses premiers boutons, à avoir la voix qui commence à muer, commence à avoir... un muscle, hein? Et on a souvent tendance à être dans une phase de rébellion, de commencer à vouloir faire ce qu'on veut, etc. Donc c'est pour cela que il est important de se remettre en question et de voir l'importance dans notre religion de du droit de nos parents. Car ça fait partie des plus grandes œuvres par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala, par lesquelles on se rapproche d'Allah azza wa jal, c'est la bonté envers ses parents. Allah azza wa jal dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Et comportez-vous de la meilleure manière envers vos parents. Et agissez avec bonté envers vos parents. Également Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers vos envers vos parents. Également Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et marqué de la bonté envers les parents. Subhanallah, regardez dans tous les versets qu'on a cités comment Allah azza wa jal il a lié entre son adoration à lui et l'obéissance aux parents. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Et si l'un d'entre eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf. Et on avait cité que ouf, vous vous souvenez la semaine dernière, ouf, c'était quoi? La plus petite parole que tu peux dire avec tes lèvres. C'est-à-dire que si la plus petite chose que tu peux dire à tes parents, c'est interdit de leur répondre en leur disant ouf, tout le reste, c'est encore plus grave. Le fait de leur dire, j'en ai marre de cette maison, j'en peux plus, comme si, je peux plus vous supporter. Où certains même ils vont aller plus que ça, ils vont insulter, etc., comme on va le détailler. Donc toutes ces choses là ça a été interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfidh lahumā janāha adh-dhul min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde sois humble avec eux et invoque Allah en leur faveur. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour nos parents. Pour nos parents. Et notamment Allah tabaraka wa ta'ala nous dit et dit Rabbi irhamhuma. Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde kama rabbayani saghira. Comme ils m'ont élevé tout petit.
tout petit. Et les versets à ce sujet sont nombreux. Également, un jour, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Mas'ud, qui faisait partie des enfants qui ont grandi avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud a posé la question au prophète, alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Quelle est l'œuvre qu'Allah Azza wa Jal aime le plus? Qu'est-ce qu'a répondu le prophète, alayhi wa sallam? Très bien, la prière faite en son heure. Donc retenez, la première des œuvres qu'Allah tabaraka wa ta'ala il aime le plus, c'est quoi? La prière qui est faite en son heure. Et ensuite, il lui a dit, la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les... envers les parents. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a cité les péchés les plus graves. Car vous savez, les péchés se divisent en plusieurs catégories. Il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. Mais parmi les grands péchés, il y a des péchés qu'on appelle al-mubiqat, qui font périr la personne, qui ramènent la personne tout droit en enfer. Le pire des péchés, c'est lequel? La pire chose qu'un être humain il peut faire. C'est laquelle, Nidal? C'est très bien, le fait d'adorer autre qu'Allah. Celui qui a une autre religion, qui adore autre qu'Allah. Ça, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, le fait de faire du shirk, du polythéisme, c'est un péché qui est tellement sale que même l'enfer, il ne peut pas le purifier. C'est pour cela que celui qui meurt et qui n'est pas musulman, celui qui meurt et qui a adoré autre qu'Allah, qui a adoré une statue, qui a adoré un ange, qui a adoré un prophète ou autre, automatiquement, lui ira en enfer sans aucune possibilité de rentrer au paradis. En enfer éternellement, sans sortir. Par contre, celui qui est musulman, il est musulman, il fait ses prières, mais des fois il fait des bêtises, etc. Et bien là, c'est possible qu'il ira en enfer et ensuite il sortira pour aller au paradis. Tout dépend de ses péchés. C'est possible qu'il reste 50 000 ans, 100 000 ans, 500 000 ans, 1 milliard d'années en enfer. C'est possible qu'il reste une heure. C'est possible qu'il reste une minute. Tout dépend. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entrée en enfer, elle est de deux types. Une entrée en enfer par punition. C'est-à-dire que ceux qui ont adoré autre qu'Allah, eux, ils rentrent en enfer parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Par contre, il y en a qui rentreront en enfer pour se purifier leur péché. C'est-à-dire qu'ils sont morts, eux, ils étaient musulmans. Ils étaient musulmans, ils ont attesté la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ils ont fait leur prière. Par contre, des fois ils ont dit des insultes, des fois ils ont volé, des fois ils ont menti, des fois ils ont désobéi à leurs parents, des fois ils ont regardé des choses mauvaises, ils ont écouté des choses mauvaises. Toutes ces choses-là qui risquent à la personne de les faire entrer. Et ils sont morts et ils n'ont pas réussi à se faire pardonner leurs péchés, ils n'ont pas demandé le pardon à Allah, ils ne se sont pas repentis. Dans ce cas-là, ils seront punis dans leur tombe. La tombe, c'est un trou parmi les trous de l'enfer ou un jardin parmi les jardins du paradis. Si dans leur tombe, ils se font purifier leurs péchés, eux, ils iront au paradis. Par contre, si l'heure du jugement, il sonne et ils ont encore des péchés, soit Allah, il les pardonne ou soit il est ou soit Allah Azza wa Jalla, il les met en enfer temporairement, ce qu'on appelle Dukhul al-Tathir, ils rentrent en enfer pour se purifier de leurs péchés. Ils rentrent en enfer pour se purifier de leurs péchés. D'accord? Et eux, ils sortiront au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit La ilaha illallah. Et là, on voit la valeur et l'importance du tawhid, l'importance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de dire La ilaha illallah, de connaître Allah Azza wa Jal. Naam. On sait qu'au jour de la résurrection, un jour, ce jour-là, il dure 50 000 ans. Ah, ça va, quand tu dis 50 000 ans, ça veut dire une journée. Une journée, ça dure 50 000 ans. T'as quel âge, là? 13 ans. C'était long ta vie depuis que t'es né ou pas? Ça va, hein?
C'est quand même 13 ans. C'est beaucoup 13 ans ou pas? Bah, t'imagines toi 50 000 ans qu'une seule journée? T'imagines ou pas? 50 000 ans, ce jour-là, les gens, ils attendront d'être jugés. C'est pour ça, pour le croyant, ça passera comme... C'est-à-dire, ça passera rapidement. D'accord? Donc, on a dit parmi les pires des péchés, donc on a dit le shirk. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah, et le fait de désobéir à ses parents. Le fait de causer du tort à ses parents, de désobéir à ses parents, ça fait partie des pires des péchés qui jettent la personne en enfer, qui encourent la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que durant les cours qu'on va faire, on va voir qu'est-ce que ça veut dire causer du tort à ses parents, comment on peut causer du tort à ses parents, c'est-à-dire des choses qu'on fait des fois, on ne sait même pas, mais ça rentre dans le fait de causer du tort à ses parents. On va donner des exemples et on va donner des causes. Et on va donner les moyens d'y remédier, des moyens, des choses à faire pour ne pas désobéir à ses parents. Et ensuite, on va parler de la bonté. C'est-à-dire quoi, la bonté envers ses parents? Comment on peut être bon envers ses parents? Qu'est-ce qui nous aide à être bon? Et on va donner des exemples de bonté et les relations que l'on doit avoir. Naam? J'ai pas entendu. Les athées, celui qui est athée, c'est-à-dire lui, il reconnaît, lui, son Dieu, c'est le néant. C'est ça, il croit en rien, c'est-à-dire que lui, c'était un mécréant, qui croit en rien, qui a tout rejeté. Parce que là, lui, il sera jugé comme celui qui adorait autre qu'Allah. Parce que lui, sa divinité, c'est le néant, c'est rien. Eux, pour eux, c'est le hasard qui a... C'est le... Tout est venu du hasard. C'est la nature. Comme si tu lui dis, bah vas-y, bah j'attends que 1 million d'euros, il vient devant moi. Comme ça. Il va dire c'est pas possible. Tu dis ben, c'est la même chose. Tu vois? Comment tu peux croire en rien? C'est inconcevable. C'est pas logique. Comment tout ce qu'on est avec la perfection de la création, comment Allah a créé la terre, a créé le ciel, a créé les nuages, a créé les arbres, a créé, il nous a créé nous, il nous a créé notre cerveau, nos yeux, toutes ces choses-là, comment ça peut être le fruit du hasard? Il n'y a que quelqu'un qui est bête qui peut penser comme cela. Oui? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que... Naam, Allah Azza wa Jal, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala, il a tout créé. Allah Azza wa Jal, il a tout écrit, pardon. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah Azza wa Jal, il a ordonné à la plume de tout écrire. Donc tout ce qui se passe, c'est sur la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le sait. Et Allah Azza wa Jalla a déjà écrit, et Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a voulu. Naam, donc, on termine, ça va être l'adhan. Donc, la question, est-ce que le hasard il existe? Non. Allah Tabaraka wa Ta'ala a tout créé avec science. Avec science, d'accord? Avec volonté. Allah Azza wa Jalla, il a décidé de toutes choses. D'accord les enfants? Non, toute chose, la moindre goutte qui tombe, peut-être que pour toi elle est inutile, mais elle a été créée avec une sagesse, avec une logique. Tu vois? La moindre fleur, peut-être que toi tu la regardes même pas, tu la vois même pas. Non. J'entends pas. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a créé Shaitan. Et il a créé pour nous éprouver, nous. Shaitan, il peut rien faire si Allah Azza wa Jalla, il ne lui laisse pas. Il ne donne pas l'autorisation. Donc Allah Azza wa Jalla, il a créé le bien et le mal pour voir de nous, pour voir lequel de nous est le meilleur en œuvre. Allah, il a créé le Shaitan pour voir si, pour nous tester. Bien qu'Allah Azza wa Jalla, il sait tout. Allah, il n'y a pas besoin, il n'y a besoin de rien. Il sait tout. Mais Allah, Azza wa Jal, par sa justice, il nous a envoyé des épreuves pour voir de nous qui va suivre le shaitan et qui va le combattre. Naam, il sait déjà. Mais par sa justice, il te met ces épreuves pour que toi, tu puisses, lorsqu'il va te juger, toi-même, tu puisses reconnaître cela. L'aspect
C'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wala nabiyya ba'di » Il n'y aura plus de prophète après moi. Il peut y avoir des gens, pas des prophètes, mais genre, qui remettent après... Des savants. Pas des cavaliers, des savants. C'est-à-dire que chaque siècle, Allah Azza wa Jalla, il envoie... Chaque siècle, Allah Azza wa Jalla, il envoie des savants pour revivifier la religion. C'est-à-dire les savants, ce sont les héritiers des prophètes. D'accord ? Warathatul Anbiya sont les héritiers des prophètes, puisque les prophètes, ils ont laissé ni argent, ni or, mais ils ont laissé la science. Allahu Akbar, Allahu Akbar.